Bonjour mes petits cracks moldus et bienvenue dans cette 23ème minute fantastique. Aujourd'hui nous allons nous intéresser à un personnage similaire à Rogue et Lockhart. Un sans-mêlée ou plutôt une sans-mêlée en la personne de Dolores Ombrage. Belle surprise n'est-ce pas? Celle à l'origine de la loi anti-moldu et qui a une aversion pour le mélange sorcier-moldu est elle-même issue du genre. Fille d'un père sorcier travaillant au ministère de la magie et d'une mère moldue. Et pour compléter son malheur, Ombrage a aussi un frère crack-mol. Au fil des années, la famille Ombrage subit de grosses tensions grandissantes. D'un côté Dolores et son père et de l'autre côté sa mère et son frère. Sous l'influence de son père et son obsession pour le sang pur qu'elle développa, Ombrage ressentit de l'aversion pour sa mère et son frère, qu'elle considéra comme inférieur et inévitablement, la fracture familiale arriva. Ombrage resta avec son père dans le monde sorcier et la mère et le frère partirent vivre dans le monde moldu, disparaissant ainsi de la vie d'Ombrage qui les ignora et ne prit aucune nouvelle d'eux, enfouissant ainsi à jamais ce côté moldu en elle qu'est répugné. Est-ce en partie à cause de son origine qu'Ombrage est devenue la terreur telle que nous la connaissons, prenant plaisir à sévir et torturer? Nul doute que ce personnage renferme d'autres secrets et mystères que nous éluciderons ensemble. C'est la fin de cette minute fantastique en espérant que vous avez apprécié mes chers cracks moldus. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!